Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodia Ndiaye, c'est parti. Le manteau ceinturé, vin fistilé nous inspire. Il est sûrement l'arme la plus redoutable de la femme du style immortal. Le manteau ceinturé n'en finit plus de nous ravir l'hiver et nous sommes nombreuses à l'adopter. Exercice de mode. Le manteau ceinturé est probablement la tendance immanquable de ce mois de Fashion Week. Intégré ou délicatement posé dessus, la ceinture quitte les passants de nos pantalons pour venir marquer notre taille au-dessus de nos manteaux. Féminin, tendance et stylé, à lui tout seul, il emporte un look dans les stratosphères mode. Et les affûtés de la mode l'ont bien senti depuis des années. Pour choisir son manteau, tout d'abord, il y a le choix de la matière. Et ce critère va influencer complètement la manière dont vous aborderez le manteau ceinturé. Il faut savoir si vous souhaitez un manteau dans une matière en coton, comme un trench par exemple, un manteau en tweed coloré ou bien tout simplement un manteau ceinturé en laine noire rigide. L'effet escompté ne sera pas le même. Ensuite, bien sûr, il y a le choix de la ceinture. Elle peut être déjà intégrée au manteau ou bien on peut la rajouter et donc donner une toute autre tonalité au par-dessus. On l'aime en cuir, en léopard ou en effet cordage. Pour le porter, tout dépend de la longueur évidemment. Il s'agit de manteaux longs. On va privilégier un pantalon pour équilibrer la silhouette et une paire de talons pour se grandir. S'il est un peu plus court, on peut tenter une robe ou une jupe. Bien sûr, il faut que le choix de la pièce sous le manteau soit cohérent avec la saison et l'ensemble des étoffes. Pourquoi ne pas tenter une paire de boots 70s à talons géométriques avec un pantalon cigarette et une chemise blanche masculine? Le chic, tout simplement. Beyoncé dévoile les looks de sa dernière campagne Ivy Park ex Adidas Drip 2. La superstar Beyoncé Knowles Carter s'est rendue sur Instagram pour révéler ce à quoi on devrait s'attendre dans la deuxième collection Ivy Park ex Adidas en collaboration avec Adidas qui sortira bientôt. La collection de Beyoncé qui s'appelle Drip 2 se vante de pièces de vêtements avec des tailles plus inclusives et une esthétique non sexiste ainsi que des accessoires et un assortissement élargi de chaussures. Alors que Beyoncé taquinait ses fans avec des images de sa collection Drip 2, elle a gardé son glamour frais tandis que ses cheveux miellés étaient longs et fluides. Les designs Ivy Park ex Adidas incluent des pantalons de survêtement évasés, des shorts, des cyclismes, des suites à capuche, des combinaisons, des bodys et des blazers structurés ne sont en reste. La palette de couleurs comprend le corail, le citron vert, le céleste, le vert foncé et le marron, ainsi que les sacs de ceinture et les pinces à chaussures fonctionnelles qui permettent un style de vie sur la pousse de la jean au brunch. Pour la collection, Beyoncé a tout mis en œuvre car les Adidas ex Ivy Park Drip 2 incluent des mises à jour sur les silhouettes Ultra Boots, Knit, Joggeret, Super Slick, 72 tout en présentant la sneaker Ivy Park Forum. Le lancement de la collection sera soutenu par une campagne intitulée This is my park, mettant en vedette Beyoncé dans une série d'images et de vidéos demandant aux spectateurs de trouver son parc, le lieu, le réel ou imaginaire qui le définit. Voici un aperçu de la collection Adidas Ivy Park Drip 2 de Beyoncé. We'll be right back.
La Falaise John collabore avec Payer Moss. L'Ivoirienne La Falaise rajoute une nouvelle collaboration inédite à son palmarès. Cette fois, elle s'est associée à Payer Moss, marque new-yorkaise dirigée par Kirby Jan Raymond, répondant à l'appel de l'Open Studio, une idée visant à mettre en avant les créatifs noirs de tous les horizons pour mettre en scène sa toute dernière collection. L'artiste La Falaise John s'est empressé d'envoyer ses pièces phares en Corée à l'équipe de la marque. C'est un rêve qui se réalise, a-t-elle confié, fan du travail et de l'engagement de Kirby Jan Raymond pour la communauté noire. Elle avait marqué le créateur sur sa liste de collaboration. Il semble que le chemin de La Falaise John ne soit jonché que des succès. Elle signe d'ailleurs sa première performance artistique quelques jours plus tôt dans le plus grand secret de la fondation Don Wai. Halloween version africaine. Voici des maquillages originaux à réaliser. Les questions qui reviennent le plus souvent à l'approche d'Halloween sont: quel déguisement mettre? Serais-je encore originale cette année? Quel look make-up adopter? Dans cet article, nous souhaitons nous pencher sur la deuxième interrogation: serais-je encore originale cette année? Parce qu'Halloween s'intègre peu à peu dans notre culture, nous avons opté pour un certain type d'adaptation à ce qui concerne le maquillage. L'excentricité de Cléopâtre ou la dark vision d'une princesse Pearl, des contours simples ou travaillés, la boîte d'inspiration est ouverte. Source, Elsie. C'est tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodia Niaye. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye!